Connais-tu ton signe lunaire? C'est quoi ça? Je te vois déjà. Ouais, j'en ai entendu parler, mais bon, je m'en fous, je l'écoute pas. Ben là, le rien, c'est celui qui t'indique tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, si tu es divorcé, tu devines bien que ce signe-là est capital. Si, par exemple, tu es bélier en signe lunaire, tu peux avoir envie de tout fracasser. Au contraire, si tu es cancer en signe lunaire, tes émotions, ouf! Elles doivent être exacerbées. Donc, si tu veux le connaître, eh bien, tu me mets oui dans les commentaires. Et puis, à ce moment-là, eh bien, je t'enverrai ton signe lunaire et ses caractéristiques. Et là, tu vas te dire, oh, mais c'est pour ça que je me sens aussi mal, ou bien peut-être mieux, ou bien peut-être pessimiste, optimiste, ou bien avec un grain de folie. Allez, je t'attends. À très vite. Ciao, ciao.